Salut à tous. Aujourd'hui, je vais présenter la meilleure classe de Call of Duty Warzone 3. Donc, avant de vous montrer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a un mail like très important. Aussi, pensez à vous follow mon Twitch versus Jérémy24. N'hésitez pas à venir parce qu'en vrai, enfin, venez hein, parce que ouais, il y aura des bons petits lives sur GTRP comme tous les jours hein, que je fais sur Twitch. Si ça vous intéresse, ben là, voilà, ça se passe sur Twitch versus Jérémy24 et pour mon kick. Nouveau follow c'est TV versus Jérémy24. Bon, on passe au sujet de la vidéo. Je vais vous présenter deux petites armes incroyables. Là, point final, il a Striker, ben, la Striker tout court. Donc voilà. Alors, bon, on commence par l'AR ou la batte fusil mitrailleur. Ouais, donc on commence par point final. Bon, non, merde. Attends, je remets le truc. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça. Donc on commence par ça. Alors, je vous montre. Hein. Mettez ça en bouche. Juste. Wesh. En vrai, ce genre de vidéo, ça date que j'avais pas fait ce Warzone. Je crois. La dernière fois que j'en ai fait, c'était quand il y avait encore Verdansk. Vraiment, c'est que ça remonte. Hein. Après pour le canon, on met celui-là. Les autres, j'ai pas accès, mais son visée accélérée, on s'en fout. Dispersion sujet, on s'en fout. De toute façon, celui-là, c'est le meilleur. Après, en lunettes, ben, on n'oublie pas le VLK x4, parce que c'est le meilleur viseur. Après, en crosse, on met le premier. Après, les autres, vous n'avez pas besoin parce que l'arme, elle ne bouge pas. Vraiment, elle ne bouge pas. Elle a pas de recul. Elle a zéro recul. Alors, vraiment, c'est. J'adore. J'ai même pas besoin de vous expliquer parce que vraiment cette arme elle est magnifique. Après en poignée arrière vous mettez celui-là. Je regarde l'autre ce qu'il donne. Ouais. Mettez la première poignée arrière. Donc voilà. Après bon moi j'ai pas débloqué le chargeur mais de toute façon dans l'arme il y a beaucoup de balles donc ça sert à rien de mettre un chargeur. Donc on va passer à... attends, avant que je vous montre la Striker parce que c'est l'arme favorite hein, de cette vidéo. Jouer les stimulants en vrai les gars, stimulant plus syntax c'est vraiment pas mal. Après en atout vous mettez ça si vous voulez les mêmes atouts que moi. Vous avez pas de course plus démineur, ravitaillement et résolu. En gros c'est pas avoir ces deux trucs à l'infini tu vois. T'as pas besoin de d'aller chercher des boîtes de mun, c'est tout gratuit. Donc voilà. Bon les armes je les ai pas au max mais même pas au max j'ai déjà tout. Enfin c'est déjà incroyable tu vois. Attends, juste la musique. Alors on commence par le canon où vous mettez le deuxième. Ce qu'en vrai c'est magnifique. C'est balle plus occlusion des viseurs, enfin du viseur. Après en lunette vous mettez le, enfin la deuxième lunette. Capté. Après en crosse vous mettez la première crosse. C'est contrôle du recul, mais en vrai t'as pas besoin vitesse de déplacement, t'as pas besoin aussi. Mais bon, de toute façon il y a que ça d'intéressant, parce que lui si tu le mets je crois que tu perds quelque chose. Après les autres j'ai pas débloqué mais je c'est pas si mal. Après en poignée arrière vous mettez la deuxième, la poignée Zakin SX Zakin. Donc voilà. Après en poignée avant vous mettez la garde-main DR6, donc la première poignée avant c'est vraiment pas si mal. Bah même elle a pas de recul hein, mais bah. Là j'ai mis, ouais, j'ai mis pour la visée bah, pour vite hein. Même attends, elle vise déjà vite de base et en vrai voilà parce que je pense que la vidéo va toucher va se toucher à sa fin parce que voilà en vrai je vais montrer un bon petit truc et c'est plutôt pas mal parce qu'en vrai la classe elle est magnifique hein, les deux que je vous ai montré. Attendez, avant de couper la vidéo je vais vous montrer dernière fois sans cliquer sur des trucs ça vous pouvez voir comment elle est donc voilà. Et pour la batteuse, je vous la montre sans cliquer comme d'habitude. Ça, vous pouvez la faire sans. Pour le faire banal. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et dites-moi en description si vous voulez d'autres genres de style de vidéo. Vous me dites quelle arme vous voulez que je vous mets. Enfin, que je vous montre avec des bons accessoires. Et après, voilà. Hein. Si pour ça vous avez mis des likes très importants comme ça je pense que ça met de deux zinzin.
aussi pensez à vous follow à mon Twitch versus germ24. N'hésitez pas au follow, moi je vais aller en game solo en résurgence. Et si vous voulez voir le live de maintenant de Warzone, bah, il est disponible en rediff sur YouTube. Et voilà, pensez au follow Twitch et au kick. Et moi je vous dis à la prochaine et à plus, ça va être chaud.